passe, Lyrose? Mais Lyrose, attends, oula. Mais tu vas devoir mettre des lunettes, Lyrose. Bah non, j'ai pas envie. Mais si, mets des lunettes. Non, mais il se passe quoi? Non, mais t'es devenue aveugle ou pas? Elle voit en 5. J'ai perdu Lily Rose. Mais j'ai perdu. T'es en train de me mentir depuis le début. Elle voulait que je fasse ses devoirs. Salut. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage. Ah, Steven, c'est vraiment bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je vois tout flou. Mais qu'est-ce qui se passe, Lily Rose? Mais Lily Rose. Mais Lily Rose. Je vois tout flou aujourd'hui. Enfin, je vois tout attends, en attends. Double. C'était quoi le son là? Le bruit? C'était ma tête. Tu t'es cogné la tête? Oui, je vois un attends, oula, reste là. Attends, là les amis, donc je comprends pas ce qui se passe. Normalement, on devait commencer une vidéo normale. Et là, attends, tu vois comment là? Bah là par exemple, je vois deux casquettes. Tu vois deux casquettes alors qu'il y en a qu'une? Ouais, donc là, Lyrose. Bah oui, il y a une casquette. Non, attends, Lyrose, viens t'asseoir sur la chaise là, on va pas te laisser sur le lit. Mais c'est super bizarre que tu vois comme ça. Non, Lyrose, la chaise est là. La chaise est là. Bah alors là les amis, si vous savez ce que Lyrose a, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo. Hashtag. Oui, parce que là vraiment j'en peux plus. Oui, hashtag. Je sais pas pourquoi. Hashtag lunettes, parce que là je pense qu'elle va devoir porter des lunettes. Mais tu vas devoir mettre des lunettes, Lyrose. Bah non, j'ai pas envie. Mais si, mets des lunettes. Mais non, on va devoir aller chez l'ophtalmo, ça veut dire. Bah oui, on devra aller chez le médecin là, Lyrose. Bah ouais. Et Lyrose, la caméra est là. Elle bon, est là, d'accord. Regarde droit, parce que là c'est n'importe quoi. Bon allez, assieds-toi, je vais appeler notre mère. Là l'ophtalmo il va te donner des lunettes, tu vas peut-être même devoir te faire opérer à l'hôpital et non. tout. Ah t'es là. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé un truc dans la chambre. Alors Lyrose elle rentrait, elle arrivait pas à voir. Et d'un coup elle a vu double et tout, elle s'est cognée. Ah bah tiens la voilà. Lyrose, qu'est-ce qui se passe? Non, il se passe quoi? Je suis là, non, elle est là, elle est là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah je vois double. Pourquoi t'as mis là, des lunettes? Pourquoi t'as mis des lunettes de soleil et une canne? Bah je sais pas, pour me guider parce que je vois double. Mais tu vois plus. Ah, non mais t'es devenue aveugle ou pas? Non. Bah pourquoi t'as pris ça? Non mais là il va falloir. Aller on doit aller à l'hôpital. Hein. Aux urgences. Allez, donc là on va à l'hôpital. Non mais Lyrose reste là. Donc là on va aller à l'hôpital. Alors surtout les amis, soutenez-nous. Je sais pas ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. On va aller à l'hôpital. Et j'espère qu'il va pas devoir porter des lunettes quand même. Bon, on y va. Mais on va où là? Bon, bah tant pis, on va aux urgences. Hein. On va aux urgences, Lyrose. C'est vrai. Et du coup, tu vois quelque chose ou pas? Bah oui, t'es là. Non, mets tes lunettes, Lyrose. J'ai mis ma ceinture. C'est bon, t'as réussi. Non, mais là, je pense que Lyrose voit rien, mais j'espère que c'est pas grave. C'est pas elle qui conduit. J'espère. Bah non, c'est pas elle qui conduit. Bah donc on s'en fiche. Non, mais on s'en fiche pas. Imagine si elle voit jamais, si elle retrouve jamais la vue. On va voir. Imagine si elle devient aveugle. Eh, pas par là, Lyrose, c'est moi. Non, mais ça serait horrible. Voilà. Donc là, les amis, restez bien jusqu'à la fin pour savoir si Lyrose devient aveugle ou si elle va continuer à voir. Ça va, Lyrose, pour l'instant, tu vois. C'est pire que tout à l'heure ou pas? C'est encore pire. Non mais je vois un peu trip maintenant. Oh mais c'est n'importe quoi. Bon allez, donc là on se retrouve tout de suite. On va aux urgences et on se retrouve tout de suite. Allez démarre là. Allez on est parti. On n'a pas de temps à perdre. Allez c'est parti. Lyrose. Lyrose, ça va? Non. Alors là elle a mal parce qu'en fait on revient de l'hôpital. Bon alors là les amis, vraiment vous allez pas être contents parce que enfin si vous êtes un peu contents quand même, mais alors elle ne va pas devenir aveugle, mais elle va quand même devoir mettre des lunettes et tout pendant on sait pas combien de temps. Pendant toute ma vie peut-être. Et là elle, vous devinerez jamais, en fait elle voit en 5. C'est-à-dire qu'elle voit 5 trucs devant elle, on sait pas comment c'est possible. Ouais. Elle arrive pas à voir. Lyrose, je suis là. Lyrose, regarde-moi. Donc là voilà. Donc là on sait pas quoi faire, donc je pense qu'on va devoir aller acheter des lunettes. Mais j'espère qu'il va rien se passer d'autre, d'accord Lyrose? Ouais, et en plus le médecin il a dit qu'on ne va pas trouver aider à ma taille complètement. Ouais, donc je sais pas, peut-être qu'elle va devoir arrêter les vidéos à cause de ça. Ouais, bon, on va essayer que ce soit pas le cas, mais allez. Bon allez, viens. Donc là on y va, donc c'est parti les amis, allez on y va. Bon alors là les amis, donc là ça va pas du tout ce qui se passe. Parce que j'ai perdu Lily Rose. Je sais pas, on était en train d'aller chez l'opticien. Là on part de notre jardin. Et je vois rien, on est à côté de chez la copine et tout. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Attends, vous entendez ou pas? Moi j'entends un truc, c'est quoi ça? C'est qui? T'es où? Mais Lily Rose, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu fais en plein milieu ici? Je me suis perdue. Mais comment t'as pu te perdre Lily Rose? Tu vois rien, c'est ça? Oui. Mais du coup tu vois encore moins bien que tout à l'heure. Non, ça va. Ça va? Non mais allez, lève-toi là Lily Rose, on a rendez-vous. Damn. Lily Rose, je suis devant. Non, alors là les amis, dites-nous si vous avez déjà eu un problème comme ça. Mais non mais tu vas pas devenir aveugle quand même. Je sais pas. Non mais c'est pas possible. Bon allez, Lily Rose, donc là on va arranger ça. Et tu me suis maintenant, tu me tiens la main. Alors tiens-moi la main, comme ça c'est parti. Mais Lily Rose, pourquoi t'as couru comme ça? Bah je sais pas, je voulais voir
si je pouvais courir. T'avais peur d'aller chez l'opticien, c'est ça? Bon allez, on y va, là on n'a pas de temps à perdre, c'est parti. Donc voilà, là les amis, je vais vous dire quelque chose de très important. Parce que en fait, je vais faire croire à Esteban que je suis aveugle, complètement aveugle. Parce que ce qui s'est passé, c'est que... Oula le chien. Ce qui s'est passé, c'est que depuis le début, je le prank pour avoir des lunettes. Parce que vraiment, je veux trop avoir des lunettes. Ah oui. Non mais je cherchais la caméra, ça va? Ah oui, ça va. Non mais ça va, tu vois mieux ou pas du coup? Non, je suis aveugle. T'es aveugle? Je vois plus. Mais comment t'as fait pour tenir la caméra alors? Bah je sais pas. Attends, j'ai combien de doigts là? Bah je sais pas, je vois pas. Tu vois rien du tout? Non. Mais comment on va faire? Mais allez. Bah, j'ai peur de mais non mais là j'ai juste été aux toilettes et là t'es devenu aveugle pendant peur. Ce temps-là. Oui. Allez, allez, tiens-moi la main, on doit vraiment y aller là. Allez, on va chercher des lunettes. D'accord? Oui. Bon, allez, ne vous inquiétez pas les abonnés, on va régler le problème. Non mais oui. Ça va vraiment ou pas? Oui. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que tu vois. Je vois tu serais pas en train de me mentir quand même? Non. Bon allez, on va chercher des lunettes, on sait jamais. Mais j'espère que c'est pas un prank. Non. T'es sûr? Allez vite, on va chercher les lunettes. Bon alors là Lyros, je sais pas comment tu te sens. Parce que là on revient. Tu vois encore mal? Je pense que j'ai pu devoir aller à l'école ou bien que non, tu devras faire mes attends, devoirs. Du coup tu veux plus aller à l'école à la rentrée et tout. Enfin tu devras faire mes devoirs, tu devras non, me mais porter. Je pourrais pas faire tes devoirs toute ta vie Lyros. Mais on a acheté des lunettes super chères et tout. Je on vais a... devoir toujours manger dans ma chambre. Non mais c'est n'importe quoi. Tu devras me porter. Je devrais te porter. Oui. Mais c'est n'importe quoi, je peux pas faire ça toute ta vie. Allez. T'es sûr que ça va pas? Parce que là le médecin il a dit que ça allait. Non, t'es sûr? Non mais c'est n'importe quoi, mais du coup je dois faire quoi là? Tu peux pas te débrouiller toute seule. Non. Alors là, les amis, dites-moi ce que je dois faire parce que apparemment Lyros elle veut rien faire. Elle veut que je fasse tout à sa place, même les devoirs de vacances et tout. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va dire à nos parents? Moi je vais leur dire que ça va pas. Je vais leur dire que ça va pas, d'accord? Ouais, moi j'en ai marre Lyros. J'espère que t'es pas en train de mentir. Moi je pars, d'accord? C'est pas juste. Bon allez, moi je pars Lyros. Non mais je vais pas te donner mon iPhone. Mais pourquoi tu pour... un plus grand écran. T'as pas... Mais si t'es aveugle, t'as... voilà, je te donnerai rien. Non, je te donnerai rien du tout. Avec ton t-shirt bleu là. Et qu'est-ce que tu... Attends, t'as vu que mon t-shirt était bleu? Non. Mais ça veut dire que tu vois parfaitement. Ah non, je vois pas du tout. Mais Lyros, attends. Non, regarde-moi. Ah, trop fond d'écran, trop bien. Non. Attends, justement, regarde Lyros. Tiens, un iPhone. Ah bah bizarrement, tu sais le voir quand c'est un iPhone. Oh, ça veut dire que t'es en train de me mentir depuis le début. Oui. Non mais tu me mens, mais c'est un sujet super grave, Lyros. Et t'as osé me mentir sur ça. Je t'ai fait un prank. Non mais là c'est pas un prank parce qu'on a dû acheter des lunettes, on a dû aller aux urgences à l'hôpital et tout chez le médecin. Ça a coûté cher pour rien. J'ai vraiment un petit peu mal aux yeux. Bon allez, moi je m'en fiche, on va voir notre mère et je vais tout lui dire. Parce que c'est elle qui a payé, elle va être en rage si on dit ça. Oh, allez vite, dépêche-toi. Lyros, tu descends et tu vas tout dire toi-même. Non. Moi je veux pas me faire rouspéter à cause de tes bêtises. Surtout que tu vas encore dire que c'est de ma faute. Allez, moi j'en ai marre. Allez, file. Et je veux pas entendre des histoires. Non mais c'est pas possible. En plus elle voulait prendre mon téléphone, elle voulait que je fasse ses devoirs, mais elle a du culot quand même cette fille. Hé, tu te videras jamais. Lève-toi. Quoi? Il s'est passé un truc bizarre là. Lyros, qu'est-ce que t'as fait encore? En vrai, je vois très bien. Elle dit qu'elle voit très bien en vrai. Et pourquoi t'as dit qu'on a fait tout ça pour rien? Parce que je voulais avoir des lunettes. Elle a fait tout ça pour avoir des lunettes. Du coup, on a été à l'hôpital pour rien. Ici. Non, mais tu devrais la rouspéter là parce que c'est n'importe quoi. Tu te rends compte de combien j'ai payé cette paire de lunettes? Ouais, au moins 500 euros pour rien. Qu'est-ce qu'on va faire avec maintenant? Bah, je sais pas, on va devoir la rendre. Et d'ailleurs, elles sont où? Bah, elles sont en haut, voilà. C'est Lyros qui a décidé de les laisser là-bas. Non, mais ça m'amuse. Elle veut même pas les rendre. Et le pire, tu sais ce qu'elle voulait faire? Elle voulait que je fasse ses devoirs. Parce qu'elle a dit qu'elle allait devenir aveugle pour la rentrée. Elle voulait que je donne mon téléphone, que je fasse mes devoirs, que je fasse ses devoirs, etc. C'est n'importe quoi. Elle fait n'importe quoi depuis quelques jours, là. C'est du grand n'importe quoi. Lyros, reviens! Reviens ici! Oui, moi j'en ai marre. Je pense qu'on va passer, à la bulle magique parce que ça devient du grand n'importe quoi. Allez! Allez, Lyros, au coin, voilà, et punis le téléphone, et t'auras jamais mon téléphone, du coup. Bah, je m'en fous, j'ai le mien. Au revoir. Donc, voilà, on va passer à la bulle magique. Donc, merci beaucoup à... Bon, là, on n'a pas la bulle magique, hein, désolé. Donc, voilà, merci beaucoup à Ismaël, à Simon, à Ryan, à Wani, à Lolao et à Snake Kids. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bye bye.